Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous faisons un essai en fait sur la conduite mode neige. Alors pourquoi? Parce qu'il y a 7 degrés à l'extérieur, bon ça c'est pas le plus dramatique, mais c'est parce qu'en fait au niveau des conditions météo, on a beaucoup de routes ici à la campagne qui ont de la terre à cause des agriculteurs hein, qui vont cultiver etc. Et des fois donc on a pas mal de terre, on est en plein dans la saison des betteraves, donc automatiquement entre les smirmorques etc. qui ont pas mal de terre, donc automatiquement c'est glissant. Donc en même temps je me permets de faire un essai en mode neige pour savoir si effectivement j'ai une conduite plus économique ou pas. Donc comme vous pouvez voir je roule vraiment en mode pépère. En fait depuis mon accident je prends beaucoup de précautions et là en l'occurrence vous voyez hein, je suis à 66 au lieu de 80 et une consommation seulement de 5 kW parce que je maintiens ma vitesse, donc c'est ultra faible malgré que la voiture est 10-12 kWh au 100, mais parce que au démarrage pour décoller la voiture il faut de la puissance. Je suis à 99%, elle l'annonçait, donc 540 km d'autonomie, malgré ce froid. Et on va essayer de voir si effectivement, au fur et à mesure de l'utilisation, si on va s'approcher de cette distance ou pas. Donc le trip A, vous voyez, il a été mis à zéro et je suis donc à 6 km d'effectué. Donc on rajoute aux 539 et on dépasse un petit peu ce qui était prédit, 540 de base. Voilà, d'ailleurs c'est en train de se réajuster là en direct, on est passé à 545 plus les 6 km. Vous voyez, hein, comme quoi c'est en train de s'ajuster doucement et les 12 kW au 100 vont en fait s'atténuer. Alors là je réduis parce qu'on a une courbe assez importante. Et sur lequel, vous voyez, je freine, donc je régénère. Alors je ne freine pas fort, donc c'est pour ça que la régénération elle est un petit peu plus douce, mais sinon il y a bien une bonne régénération sur ce véhicule, contrairement à des fois à ce qu'on peut entendre. Donc on est sur du plat et là je voulais accélérer un petit peu pour avoir un peu de vitesse. Donc on est en plein dans la forêt, dans la cambrousse hein. Voilà, et ici en règle générale c'est plus les feuilles mortes qui sont au sol, et pareil quand on roule dessus ça glisse énormément. Donc je vais vous faire le test, savoir en conduite neige comment ça se passe. Alors pour activer le mode neige là dessus c'est très simple, vous avez un bouton à cet effet qui est ici, vous voyez, c'est celui qui se trouve au milieu là, à côté gauche. Il est allumé, il est éclairé, ça veut dire que c'est activé. Voilà, il n'est pas dans les modes de conduite, il est vraiment à part. Donc on va essayer de voir ce que ça peut nous donner. Voilà, bah là la conso moyenne elle est en train de rebaisser, vous voyez, de 12 on est passé à 11,7. Et peut-être qu'on va baisser peut-être un peu plus bas, c'est à voir. Et je vous ferai une récap de tout ça au fur et à mesure jusqu'à la fin. Alors on est sur un autre jour où je vais prendre en fait le véhicule. Je viens de le démarrer, donc on a bien le chauffage hein, qui est actif etc. Mais par contre ce qui est bizarre c'est que le mode neige il disparaît. Donc en fait à chaque redémarrage le mode neige disparaît. Donc vous voyez il se met en mode éco par défaut comme vous pouvez voir ici. Donc j'ai fait 56 km en mode neige hein, donc on est arrivé à 87%. Moi c'est encore de quoi faire 470 on va dire. Donc un petit peu moins de 430 ou 440 km, enfin regardez au début hein, soyez attentifs. Et je vous dis hein, je vous montre même le kilométrage qui nous dit, et l'objectif hein, c'est de savoir si on atteint le kilométrage qu'il a indiqué, si on va faire plus de kilomètres ou moins de kilomètres. Voilà, donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est un essai qui va durer sur plusieurs jours, peut-être même sur une semaine complète, voire peut-être même dépasser un petit peu, parce que mine de rien, il y a quand même une grande autonomie. Et là, je viens de sortir d'hôpital et du coup, j'ai pas beaucoup de déplacements à faire pour le moment. Voilà, donc c'est pour ça que ça risque de mettre un peu plus de temps, ce qui fait que dans mes commentaires je risque d'être un petit peu plus évasif, je serai pas aussi précis qu'au départ, parce que voilà, je me rappelle plus déjà du kilométrage qu'il avait annoncé avant de partir. Et là je vous fais cette vidéo parce que là, c'est le deuxième jour où je prends le véhicule et il est éteint, donc je suis obligé de faire une action, vous voyez, j'appuie. Là je vais pouvoir donc rouler en neige. Ça met le picto ici, comme quoi on est bien en mode neige. En termes de puissance, en gros c'est encore moins puissant que l'économique, hein, pour ceux qui se posent la question. Vous faites beaucoup, pour avoir une petite puissance légère, la pédale est déjà appuyée à la moitié d'accélérateur. Ça vous donne l'ampleur. J'ai pas regardé la puissance max en mode neige. Est-ce que on arrive à 80 km/h ou 100 km/h? Je ne sais pas. J'essaierai de vous apporter aussi cette précision. Alors, je viens tout juste de démarrer. Donc, comme vous pouvez voir, il fait nuit et pluie. Et au niveau du pare-brise, je n'ai pas de buée parce que tout simplement, il faut toujours laisser un petit peu de ventilation. Donc ici, c'est mon fond d'écran qui est comme ça. Vous commencez à le connaître par cœur. Et vous voyez, hein, j'ai 28 degrés. Pour avoir à peu près du 23 dans le véhicule, j'ai à peu près 4-5 degrés de différence. Bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Au niveau... consommation, donc je suis dans les limites de vitesse, hein, regardez, c'est limité à 90, mais comme vous pouvez constater, il pleut et donc je réduis ma vitesse. Je suis toujours en mode neige, comme vous pouvez voir tout en haut, c'est marqué standard D et après vous avez le symbole neige. Voilà, c'est tout simplement parce que je continue mon périple pour savoir si je vais faire plus de kilomètres, si j'ai une conduite effectivement un peu plus sécurisée, etc. sur ce mode, parce que j'ai fait tous les modes et jusqu'à présent, je fais plus de kilomètres quand je roule en version sport. Donc, de ce fait, je fais mon essai pour savoir si en mode neige, je peux effectivement faire un peu plus de kilomètres. Pourquoi pas? En tout cas, en termes d'accélération, on sent qu'on est obligé d'appuyer encore plus fort sur l'accélérateur de manière à avoir un petit peu de puissance. Il pleut, toujours pas de buée, et vous voyez, hein, malgré je parle, tout ça parce qu'il faut toujours laisser la ventilation. Et ça, c'est valable aussi pour les vitres sur le côté, vous voyez. Je n'ai pas, alors peut-être que c'est plus difficile à voir, mais il n'y a pas de buée non plus sur les vitres latérales. Voilà, parce qu'il y a toujours une ventilation. Et si vous faites ça, automatiquement, votre hiver va bien se passer. Alors, ceux qui coupent, automatiquement, ça va poser problème. Et au niveau du réglage, regardez, hein, je suis tout simplement dirigé vers les pieds et vers le pare-brise. Voilà, avec un vent qui vient de l'extérieur. Donc, je ne suis pas en mode recyclage. Et j'ai une ventilation qui est sur 3. 3 sur 7 ou 3 sur 8, donc je suis presque à la moitié et ce qui me permet d'être nickel. Voilà, donc on arrive ici, là il y avait une montée, hein. C'est pour ça qu'en termes de consommation c'était en train de monter. Là je vais me stabiliser à environ 90 km/h. Alors, chose que je viens de découvrir également, là à l'instant, c'est que le régulateur de vitesse et le maintien dans la voie ne fonctionnent pas. D'ailleurs, vous avez le petit message qui s'affiche en bas. C'est tant que vous êtes en mode hiver, il n'y a pas de régulateur de vitesse ni de maintien dans la voie. Alors, pour le maintien de la voie, je peux comprendre parce qu'en règle générale, on aurait de la neige sur la route. pour le régulateur de vitesse, peut-être que c'est compliqué. Alors je reviens un petit peu sur la vidéo, hein, la consommation elle est quand même élevée. Mais pourquoi en fait? Parce que donc j'ai toujours pas de buée, hein, vous voyez, malgré que j'ai été chercher des pizzas. Et ouais, regardez. Vous voyez là? Oh, des pizzas. Et pour les conserver au chaud, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai activé en fait le siège chauffant passager. Regardez, il est plus rouge que celui conducteur, parce que comme ça, il est à fond, il chauffe. Bah, d'ailleurs, si vous regardez sur le côté droit de l'écran, vous avez vu qu'il est en position 2. Donc ça veut dire bah, la pleine puissance pour avoir du chaud. Donc j'ai mis aussi le chauffant volant, enfin le volant chauffant, pardon. Et puis j'ai mis aussi les rétros dégivrants. Pourquoi? Bah parce qu'on voit ici qu'on a des gouttes. Et donc en mettant le chauffant, bah, les gouttes qu'il y a sur le rétroviseur, les rétroviseurs, pardon, bah, ils vont disparaître. Et vous voyez, là je suis tranquille, parce que regardez, je n'ai pas de buée dans le véhicule, parce qu'il y a toujours aussi le chauffage qui est dans la voiture. Donc on va y aller, on va y arriver. Vous allez voir, ça va être super bien. Donc là, 90, tac. Voilà, vous avez vu. Et puis, donc ici, j'ai mis juste un cran pour le chauffage du siège conducteur et maximum pour le siège passager. Les pizzas vont arriver au chaud. Voilà, donc ça c'est bien. Et puis en termes de ventilation, donc comme je vous disais, hein, pour ceux qui savent, hein, qui vont chercher des pizzas, vous vous rendez compte qu'en fait il y a énormément de buée quand on va chercher des pizzas. Et là d'ailleurs je vais vous filmer ici sur le côté, voilà, de la vitre latérale. Vous avez bien remarqué qu'il n'y a pas de buée. Là, bon, c'est à cause de la pluie, mais sinon il n'y a pas de buée, parce qu'il faut toujours laisser une ventilation. Alors pourquoi? Ah, il a détecté en fait, la voiture a détecté le poids des pizzas et c'est pour ça qu'il bip et il m'affiche donc en fait le côté passager comme quoi il y a bah, un humain qui n'est pas attaché, tout simplement. Bon, c'est des choses qui arrivent. Alors bien sûr, température, il fait à peine 6 degrés, mais en ressenti on est pratiquement à zéro. Et puis bah, il pleut, donc ça, bah, c'est pas terrible, hein. Donc là on est entre guillemets dans les pires conditions d'un véhicule électrique, hein. Et comme je vous disais, on est toujours en mode neige. Voilà, donc on va laisser tranquille. Donc là on est sur une régénération, j'ai juste lâché l'accélérateur parce qu'on est sur une légère descente. Voilà, donc ça régénère toujours. Et puis j'ai déjà fait presque 100 km et il reste de quoi faire encore 500. Donc alors de ce que je calcule là, j'aurais perdu un petit peu par rapport à ce qu'il annonçait au départ, parce que je crois que c'est 530 ou 540 km au départ, mais il pleuvait pas. Voilà, donc comme quoi au niveau météo, le moindre petit truc peut faire que bah, on perd en endurance. Voilà, et vous voyez, hein, quand je suis à 50 km/h, bah, j'ai une consommation qui est quand même modérée, parce que je fais du 4-5 kW malgré le chauffage, malgré tout ça. Alors je reprends la route concernant toujours l'essai en mode neige. Et bon, c'est hyper sensible en tout cas au niveau consommation. Je pense que ça risque d'être la pire consommation que j'aurais testée. Vous voyez la télé, alors au niveau de l'écran, vous voyez, hein, il est légèrement, enfin il est penché au maximum pour elle, parce qu'elle est avec nous, donc elle regarde le catch. Et comme vous pouvez voir, il pleut, et en plus de ça, on n'a pas de buée. Tout ça parce qu'il faut laisser ventilation 3, regardez, il n'y a aucune buée. Et contrairement à certains qui disent, ouais je suis tout seul, j'ai de la buée, etc. C'est juste une histoire de ventilation, je le répète, hein, mais parce que il y en a de plus en plus, etc. Et ça, c'est quelle que soit la voiture, que ce soit une BYD, que ce soit une MG, que ce soit même une française ou une allemande, etc. Vous aurez le problème de la buée. Il suffit tout simplement donc de mettre de la ventilation. Là, au niveau de la conso, vous voyez, je suis à 50 km/h, donc je me mets aux vitesses, hein, autorisées. Et vous voyez, hein, quand on est inférieur à 70, j'ai remarqué que la consommation était faible. Vous voyez, 5 kW et pour maintenir à peu près la vitesse. Voilà, donc c'est pas mal. Et à 70, je suis inférieur à 10 kW. Hein, pour du 70. Et au-delà de 70, donc ça consomme beaucoup plus. Alors, est-ce que pour le mode neige, c'est prévu de ne pas dépasser les 70? C'est fort possible, parce que là, on n'a pas de neige, hein, on est d'accord. Mais quand il y a de la neige, je dirais même que c'est compliqué de rouler à 70, voire même 50. Donc, peut-être que ceci explique cela. Mais je vais quand même continuer. Et donc là, vous voyez, hein, la conso, elle a vachement baissé parce que, regardez, 372 km, ce qui me reste avec les 69%, et j'ai déjà fait 120 km à peu près. Donc, si vous additionnez le tout, bah, on n'arrive plus tout à fait aux 500 km, alors que initialement c'était 530 ou 500 km qui était estimé. Bon, c'est pas grave, on va continuer le test jusqu'au bout. Et donc là, vous voyez, hein, on a bien la vidéo qui tourne. Et le problème, c'est que là, l'écran, il est tourné vers le passager. Il n'est pas tourné vers moi. Moi, je ne regarde pas. Mais le problème, c'est qu'en vis-à-vis des forces de l'ordre, ça peut être une contravention. Donc, c'est pour ça que je vous donne aussi cette information en même temps. Voilà, donc que ça soit un boîtier ou que vous ayez bidouillé la tablette pour que ça puisse réceptionner la télé, ça peut poser problème. Allez, on continue le test. Au fur et à mesure, vous allez voir que ça va descendre d'un côté, augmenter de l'autre, enfin bref. Bon bah là, on est en route, toujours en mode neige. Et là, je viens de mettre le GPS. On va avoir presque 1 heure de route parce qu'on va aller dans un centre SPA pour essayer de sauver un chien. Parce que, en fait, ça nous manque d'avoir un chien. Et comme vous avez pu suivre, on a eu Easy. Donc on l'appelait Zizi, qui est décédé dans l'accident. Et du coup, nous, c'est une grosse perte. Alors c'est pas, on veut pas la remplacer. C'est tout simplement qu'on veut lui donner, on veut essayer de sauver un chien de la SPA parce qu'ils en ont énormément. Et voilà, on veut juste, combler un petit peu ce manque. Voilà, elle ne sera pas remplaçable. Mais donc là, sur la route, comme vous pouvez voir, j'ai mis ABRP qui fonctionne très très bien. J'ai mis avec un ODB qui s'appelle le Linker, qui a l'avantage d'être BLE. Et donc, il communique parfaitement avec la voiture sans problème. Et donc il est ultra précis parce que j'arrive même à avoir la température de la batterie qui est seulement à 8 degrés. Et là, elle me sort une consommation d'environ 21 kW, ce qui peut paraître beaucoup. Mais j'ai aussi d'autres infos. On est à 51 mètres d'altitude. Et là, on est dans la rue, là à côté. Elle nous dit dans quelle rue on se trouve précisément. Donc on a beaucoup plus d'informations, voilà, hein, et ça se met à jour continuellement. Et surtout, hein, ça prend aussi la batterie. Regardez, là on est à 67% et vous voyez en bas là on a bien 67%. Donc j'ai pas eu besoin de manipuler ou quoi que ce soit. Ça c'est intéressant. Donc on va en direction de Vaux-le-Pénil pour ceux qui connaissent. Donc c'est comme si on allait à Melun. Et on va essayer de voir si on trouve donc un chien ou une chienne qui va correspondre à la famille. Donc là, on est en train d'aller direction à Melun. Et j'ai mis ici l'écran debout avec le dessin animé pour le petit. Parce qu'en fait, comme il est derrière, du coup, il va pouvoir regarder. Il s'est couché, il ne peut pas se faire filmer. Mais sinon, voilà, ils ont le film pour eux. Et moi, j'ai le GPS qui se trouve juste au-dessus. Et comme ça, je suis tranquille. Et j'ai toujours les informations en direct de la voiture. C'est-à-dire que là, j'ai l'autonomie. J'en ai 65% de batterie, ce qui correspond à ce que j'ai au compteur. Et on va arriver normalement avec 46%. Donc, j'aurai pas besoin de charger. On a 66 km à faire, donc 43 minutes. Et là, en fait, je m'aperçois que quand je dépasse les 70 km/h, la voiture, elle consomme énormément. On est en descente, comme vous pouvez constater, sur la route là. Ça descend. Bah, malgré ça, je suis quand même à 15 kW au 100, ce qui est énorme. Alors qu'habituellement, à 110, je suis à cette consommation. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mode neige, il est fort possible qu'il ne soit pas adapté pour, pour rouler avec. Mais pour ceux qui font uniquement que de la ville et éventuellement de la nationale, enfin si vous ne dépassez pas les 70 km/h, ça peut être la solution la plus économique. Donc d'ailleurs, pour ceux qui veulent tester, je vous invite à le faire sur n'importe quelle voiture, même si vous n'avez pas une BYD, parce que ça peut peut-être changer la donne. Bon bah ça y est, on arrive à la SPA et donc là on va tout simplement espérer trouver le nouveau membre de la famille. On avait dit un comme ici, hein, papa. Voilà, oui, on va chercher comme ici et on va trouver, on va se garer là proprement, tranquille, et le parking est blindé. Voilà la caméra, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Bon bah au final on repart parce que résultat des courses, il n'y a pas, enfin il y en a deux qui nous intéressaient, sauf que le problème c'est que ils sont pas compatibles avec les chats et ils sont pas compatibles avec les enfants. Donc je ne vais pas choisir entre un chien et puis les enfants bien sûr. Voilà, et puis surtout on a déjà les chats, donc résultat des courses, on va laisser partir tranquille et on reviendra une autre fois. Bon bah on est toujours en mode neige et on retourne donc à la maison. Problème c'est que là au niveau du refuge ils n'avaient rien pour nous. Ah bah mince, il a plu aussi, on est là et on doit aller là. Donc ils nous avaient dit qu'il y avait pas mal de trajets, donc en fait ce qui va se passer c'est que je vais rouler. Et une fois que je vais rouler, il va mettre la distance, etc. Mais normalement, on en a pour un petit peu plus d'une heure, pour le coup. Bon, bah, c'est parti. Et puis, en même temps, je verrai à combien de pourcentage j'arriverai. On a fait 200 bornes, vous voyez. Il nous reste encore 239, ce qui nous fait 430 km. Donc, on aurait perdu 100 km. D'autonomie avec des températures toujours basses parce qu'il faisait toujours 7, 8, 6 degrés donc c'était à peu près pareil tout le temps, mais sur l'autoroute j'ai eu des pics à plus de 25 kW, alors que j'étais à 130 km/h et voire même des fois j'étais à peine à 110. Donc bien sûr hein, la route elle n'est pas si plate que ça, donc c'est pour ça qu'il y avait des variations, mais je pense fortement qu'en mode neige au final c'est pas la bonne solution pour celui qui doit prendre l'autoroute par exemple, sauf si vitesse réduite et donc max à 70 km/h. Voilà. Alors petite chose, donc on peut diviser l'écran comme ça, mais petite chose c'est qu'on a ici malgré que l'extérieur il n'y a que 7 degrés, comme vous pouvez voir en bas à gauche, vous avez ici au niveau de ABRP, donc comme j'ai le bon dongle, j'ai la batterie qui est à 12 degrés. Okay. Au niveau du chauffage, on est très bon, il n'y a pas de souci. Et là j'ai un SOC à 49% réel. Voilà, donc pour le reste, tout se passe bien. Et bon, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, hein, quand on met comme ça, ça fait vraiment... en fait, cette partie ici, elle est vraiment trop grande. Ils auraient pu le rétrécir de moitié pour avoir les infos, même une écriture plus petite. Mais bon, sinon, ça affiche comme ça. Et avec l'écran partagé, ça va, ça passe. Et sinon, on peut faire comme ça. Et là, vous voyez, donc je recule l'écran. Et là, vous avez... donc le GPS qui se trouve en haut et vous avez la vidéo qui se trouve en bas, tout simplement. Voilà. Donc bien sûr, hein, tout ça c'est sous Internet. Hein, donc si vous n'avez pas Internet, ça ne marche pas. Voilà. Bon, on va continuer le trajet tranquillement. Et on arrive ici. Donc, non stop. et on va pouvoir rentrer à la maison toujours sous la flotte. Donc il aura plu toute la journée aujourd'hui. Alors je viens de démarrer la voiture, donc ça fait très longtemps que, ça fait pratiquement une semaine, je m'en suis pas servi, je suis toujours en mode neige. Et là c'est bizarre, cette fois-ci, le mode neige est resté. Alors ça fait une semaine, je m'en suis pas servi. Il me reste que 26%. De quoi faire 117 km. Donc je vous ai dit hein, que j'allais rouler au maximum. Nous sommes en hiver. Alors regardez, il reste que 2 degrés ici, vous voyez, en bas à gauche de votre écran. Donc 2 degrés, autant vous dire qu'il fait super froid. Même là dans la voiture, c'est tendu. Pourtant j'ai mis 28 degrés. Hein, mais comme j'ai pas pensé à préchauffer le véhicule, c'est-à-dire de mettre le chauffage avant d'utiliser le véhicule, du coup là je suis en train de souffrir. Je vais mettre les sièges chauffants quand même. Donc ici vous allez voir, ça se présente comme ça quand c'est en affichage, parce qu'en même temps ça permet de vous montrer comment ça s'affiche. Le tout en haut, vous voyez, c'est comme ça. Déjà je vais mettre les sièges chauffants, ça va aider. Sièges chauffants, je vais les mettre à fond. L'autre côté ça sert à rien, il n'y a personne. Et je vais revenir ici, niveau climatisation, et je vais tout simplement, tac, 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 configurer, non, c'est bon, les pieds et le truc. Bon, je vais revenir. Alors, autre chose, je reviens sur la vidéo, pourquoi? Parce que, regardez, on est en recyclage d'air, ça c'est ce que la voiture, elle s'est mise automatiquement. Regardez la buée qui est en train de se faire. Donc, en fait, vous cliquez, vous faites un renfort, en fait, de l'air qui vient de l'extérieur, et vous allez voir, en quelques minutes... Ah, j'ai mis le volant chauffant. Ah ouais, putain, c'est bon, ça. Voilà, ah ouais, non. Et puis même le siège qui chauffe, là, honnêtement, c'est excellent. Ah, j'avais oublié le plaisir d'être dans ce véhicule. Oh. Ça fait un petit moment que j'y étais plus. Mais ouais, on se croirait un enfant, en fait. Je sais pas si ça fait pareil pour vous. Mais pour moi c'est un plaisir. Et puis là le siège il est déjà chaud, le volant il est chaud. Là du coup toucher le cuir, c'est ça se passe tout seul. Regardez, la buée elle est en train de disparaître déjà. Voilà, et ça c'est des petites astuces que je vous donne en vidéo pour vous dire voilà ce qu'il faut faire, c'est l'air vers le pare-brise, vers les pieds, ça fait une circulation d'air. Au niveau de la soufflerie, vous voyez, hein, je suis à 3. Sinon si vous êtes à plusieurs dans un véhicule, vous mettez à 4. Voire même 5, il n'y a pas de souci. Direction, donc les vitres et les pieds. Après, si vous n'êtes pas super sensible des pieds, vous mettez que sur les vitres, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là j'ai mis à 28 degrés, mais honnêtement, il n'y a pas 28. Hein. Allez, s'il y a 25, allez, ça sera déjà bien. Mais même pas 25, je pense qu'il y a 24. Parce que là, il fait vraiment froid. Hein. Il fait que 2 degrés, hein, ça pique. Hein. Bon, allez, le fait d'être resté, et puis température assez élevée, hein, ça a fait baisser le kilométrage, parce qu'il y avait plus de 110 km, voilà, ça a réduit. Mais comme ça, on va savoir si on arrive, combien de kilomètres on arrive à faire à peu près, avant de recharger, parce que c'est l'objectif. Vous voyez, la vitre ici, elle a pratiquement plus rien, il n'y a que le bas là, et encore, j'ai pas roulé. Hein. Et je parle, donc autant vous dire que quand on parle, ça fait un petit peu de buée. Allez, on va faire la petite marche arrière qui va bien. Tac, au niveau du levier de vitesse, on pousse vers l'avant. Et c'est la marche arrière, donc on a ici toutes les caméras qui s'affichent. Allez, on lâche juste un petit peu le frein. Si vous lâchez tout doucement, en fait, la voiture, elle ne va pas partir comme une balle. Et donc, ça sera toujours bon. Et là, est-ce qu'on a les distances? Oui, 95, 80 cm. Donc vous voyez, hein, je fais même pas gaffe, je regarde juste au niveau de la distance. Regardez, 40, stop. Et sachant qu'à stop, je peux encore continuer, hein, parce qu'il y a une sécurité. Donc pour ceux qui se posent la question, vous pouvez sans problème. Donc là, au niveau de l'affichage, on a l'arrière, on a ici le devant. Maintenant, je mets le clignotant. Et on a le clignotant ici sur l'aile parce que j'ai changé au niveau des ailes, la petite pièce noire décoratrice, je l'ai remplacée et j'ai mis donc un clignotant actif et ça fait aussi feu de jour, parce que à la campagne, je trouve que c'est dangereux de se retrouver avec en fait un croisement où il n'y a pas d'éclairage, et je trouve que c'est dangereux. Donc là, je m'arrête, il y a une voiture qui arrive, et on repart. Voilà, et là, on est super bien. Alors, ah oui, j'avais oublié qu'en termes de puissance, ah oui, c'est limité, c'est vrai. Sécurité pour assurer votre sécurité. Alors, la ceinture. Bah, pourquoi? Ah, j'ai du poids sur le siège, c'est pour ça. Regardez, bah, j'ai bien ma ceinture parce que, regardez, là, et j'ai dû... Ah, mais c'est les valises diagnostiques, parce que je pars faire, en fait, un dépannage, hein, pour rien vous cacher. C'est pour ça. Donc deux valises diagnostiques qui font bah, peut-être les deux là, quelque chose comme 3-4 kilos avec leurs accessoires, et donc automatiquement ça pèse et ça a détecté. Comme quoi, ok. Allez, zouf, on va accélérer plus parce que maintenant c'est 90 km/h, et on va y aller pépère. Allez, on continue donc pour savoir combien de kilomètres on va faire avec le plein de batterie. Alors, je passe par Android Auto. Regardez, alors pour ceux qui cherchent à savoir, vous avez l'affichage de Android Auto, et là je passe par une application radio, et elle affiche tout en haut, elle défile, vous voyez, type house. Donc ça c'est la station que j'écoute, et au niveau affichage, j'ai tout simplement le GPS avec la station à côté. Donc ça c'est bah, Android Auto, hein, ce que vous avez en Bluetooth, donc ça veut dire c'est en sans fil, et ça fonctionne très très bien. Au niveau du GPS, il faut savoir qu'il faut activer l'antenne GPS de votre téléphone portable pour que ça puisse naviguer. Si vous n'activez pas, vous n'avez pas le GPS tout simplement. Mais sinon, vous voyez, hein, là je filme avec mon téléphone, le son est différent parce que c'est le micro du véhicule qui prend. C'est pour ça que le son il est différent par rapport à mes vidéos habituelles, ce qui est tout à fait normal. Je filme avec le téléphone qui lui-même est relié, et c'est lui aussi qui envoie en fait bah, le GPS, hein, tout simplement. Voilà, l'application en fait elle est dans mon téléphone, et donc elle a mis tout simplement la radio à travers le téléphone, donc l'application. Là-dessus, alors si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai mis TuneIn. Voilà. D'ailleurs, on reconnaît à l'icône tout en haut, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'est l'icône TuneIn qui permet d'avoir la radio numérique, donc par Internet, directement sur le véhicule, en Android Auto et CarPlay. Voilà. Donc, c'est une solution, en fait, qui permet d'avoir la radio partout, sans coupure. Voilà, donc vous faites Android Auto, une bonne application de radio, donc TuneIn par exemple, ou Radio Garden, et là vous serez au top. Alors pour ma part, 25, ça baisse, hein, doucement, mais après on est en hiver, hein, 2 degrés seulement, donc ce qui est tout à fait normal, hein, quelle que soit la voiture électrique, vous avez cette baisse. Bon bah, on va continuer, et normalement à mon retour je serai aux alentours des 10%, et on verra combien de kilomètres il nous indique en hiver. Alors je reviens sur la vidéo, j'arrive bientôt à destination, il me reste que 13% de batterie, soit de quoi faire 52 km. J'ai déjà fait presque 310 km, donc en gros, hein, pour éviter de biaiser le test, on va dire qu'on a une autonomie. Alors, en sachant que j'ai toujours eu le chauffage et à de fortes températures, j'ai toujours utilisé le véhicule comme si c'était un thermique, on fait 350 km en hiver. Et encore, je suis dans la version pessimiste parce que regardez, j'ai encore de quoi faire 51 km. Et j'ai fait déjà 308, donc 309, donc en gros 360 km d'autonomie. Mais on va dire qu'il y a encore un décalage, parce qu'il est possible que suivant la conduite, peut se perdre encore à ce stade-là, encore 10 km d'autonomie. Donc en gros, ça nous fait 350 km d'autonomie pure en hiver. Regardez la température, hein, il n'y a que 1 degré à l'extérieur. Donc on ne peut pas dire que c'est chaud. Hein. Et au ressenti, on est vraiment en température négative, hein, parce que il fait froid. Bon, vous avez vu, hein, il est 20h11 et il fait nuit. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, on dirait que sur le bord de la route, c'est en train de blanchir, comme il y avait un petit dépôt de neige. Voilà. On est arrivé à destination. Donc là, on va ralentir pour pouvoir se garer. Voilà, donc je suis arrivé à destination, il me reste 12%. Vous voyez, hein, je suis juste arrêté, mais j'ai le chauffage qui tourne. Vous voyez, on a 360 km en gros. Moi, je vous dis qu'il y a 350 comme ça, mais en mode neige, je suis en mode neige, ok? Donc, n'oubliez pas ici le petit pictogramme qui est ici, donc mode neige. Je vais faire, d'ailleurs, je vais déjà le mettre en mode, tac, normal, non, éco. On va le mettre maintenant en mode normal et on va faire le même test, savoir si en normal j'arriverai à faire plus de kilomètres. D'ailleurs, je vais déjà mettre mon voyage qui est à 310, donc du coup je fais un reset, je le prépare déjà pour qu'il soit à 0 et comme ça on va savoir donc combien de kilomètres et si ça vaut le coup de conduire avec le mode neige. À savoir que là pour le coup c'est beaucoup plus sécurisant si jamais il a plu, s'il y a du verglas, etc. Parce que effectivement, c'est beaucoup plus adapté. Voilà. Après, quand la route est sèche, etc., ça peut être éventuellement un peu trop au niveau de la conduite. Parce que pour vous donner une idée, on a bien perdu la moitié en puissance. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur les automobiles de façon générale. Et sinon, on va essayer de reprendre les vidéos sur les BYD. Sur ce, bonne journée et à bientôt.